Bonsoir. Vous allez encore me dire, encore une vidéo depuis son appartement, et oui. Actuellement, je ne peux plus bouger de Belo Horizonte, tout simplement parce que le maire de Belo Horizonte a mis une frontière sanitaire, c'est-à-dire qu'il contrôle notre température. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, quel est le goût du guarana? Le guarana, comme vous savez, c'est l'œil de la forêt. C'est très riche en caféine, plutôt en guaranine. Et surtout, si vous prenez une cuillère à deux cuillères à café par jour, vous allez pouvoir tenir à peu près 8 heures, on va dire sans baisse de fatigue. Son goût. Un bon guarana a un goût terreux, un goût de terre. Ce n'est pas réellement très agréable en bouche si vous n'êtes pas habitué. Les premières fois, vous risquez de ne pas aimer si vous en mettez trop. Mon premier conseil, quand vous prenez du guarana pour la première fois, c'est en mettre un tout petit peu dans votre jus d'orange et de mélanger, voire dans un yaourt à la fraise, à la framboise, aux fruits rouges. Et au fur et à mesure, vous augmentez la dose pour que votre palais s'habitue, car nos palais ne sont plus trop habitués aux notes amères. Allez, abonnez-vous au comptoir de Thomas Massina et je vous promets très bientôt des vidéos et des reportages sur les meilleures plantations d'épices et de super aliments au Brésil. Allez, à bientôt!